J'ai failli contrôler un event de Fuse. Oui, oui, le youtubeur Minecraft français numéro 1. Mais pour comprendre comment j'ai eu cette opportunité, laissez-moi vous raconter cette histoire depuis le début. 20 janvier 2022, je fais chanter une chanson débile sur le dab à 50 influenceurs connus, dont Agent GB. Oui, oui, il a vraiment accepté, et du coup... Nous devons au cœur, dans la bonne humeur, on sèche nos pleurs. Puis le 17 octobre 2022, il publie ce tweet. Ah merde, il l'a supprimé depuis. Alors du coup, il lui demandait s'il n'y avait pas quelqu'un de majeur de dispo le dimanche 26 novembre pour un job de cadreur sur Minecraft à la Paris Games Week pour suivre du Bed Wars, du Sky Wars ou plein d'autres jeux trop cool pour Agent GB. Et du coup, vu que moi je suis un chômeur ultime, j'ai réussi à répondre en premier et je lui ai dit ça. J'ai 21 ans et j'ai déjà ma place pour le 6 novembre si tu veux. Je suis aussi avant tout un dabbeur heureux, comme toi, même si je crois que tu le renies un peu. Et ça serait cool d'être ton cadreur ce jour-là. J'assume pas. Bizarre, c'est parce que tu m'as répondu en mail. Puis il m'a dit oui, et je lui ai donné mon Discord. Mais bon, Sims, là, il a aussi supprimé sa réponse MDR. Du coup, il m'a MP sur Discord et il m'a dit « T'auras un super pass staff du badass qui te permettra de dire coucou à la queue dehors dans le froid. Oh, let's go! Je ferai un coucou à la plèbe !» Puis il m'a envoyé vers un autre mec, un ancien pote d'école de commerce à lui, que je vais appeler Bob, pour les besoins de son anonymat. Mais du coup, ça veut dire que je verrai pas Agent GB? J'ai malgré tout gardé mon sang-froid, mais j'avoue, j'étais hyper dégoûté, parce que j'aurais pu rencontrer le dieu de la TNT pour la première fois IRL. Puis son pote m'a dit, tu seras l'OBS Minecraft. Et il m'a ajouté un groupe mail spécial. Juste le groupe de l'event Minecraft en vrai. Mais c'était pour Fuse, quand même. Puis on m'a invité dans un groupe Discord avec Fuse, Ewen, Neymari et What. What the fuck? Moi j'ai juste répondu à un tweet de base, comment ça se fait que je me suis retrouvé là? Et en prime j'allais avoir un pass staff du badass pour pas faire la queue dehors. Et ouais, ciao les noobs! Bref, What m'a présenté au reste du groupe, puis j'ai dit bonjour à tous et à toutes. Bonjour Maxime! Salut tout le monde, c'est Fuse! Oh putain, Fuse a parlé! Les gars, c'est une dinguerie! Bon ok, on va se calmer, il faut avant tout rester pro quand même. Et puis c'est qui Fuse après? C'est un humain comme tout le monde. C'est pas comme si c'était celui qui m'avait donné envie de me lancer sur YouTube. Ah si, c'est lui. Bon pas grave. Puis Fuse a dit... Hello, on m'a dit que le jour J, j'aurai un écran pour pouvoir réagir à ce qui est diffusé directement. Mais du coup, qu'est-ce qui sera diffusé si j'ai pas de MC à moi? Logiquement, ça sera mon écran du coup. J'aurai mon compte pour suivre le jeu. Après, les détails en plus, je sais pas. Ok, ok. Y a vraiment aucun moyen d'avoir un écran que je contrôle moi qui est cast, parce que j'avoue que ça me fait un peu peur ça. Que... Quoi? Tu veux pas que je sois l'OBS Minecraft? Fuse! On n'est pas potes? Non. Puis What a répondu qu'il pouvait mettre un PC sur la scène. Mais j'ai pas voulu lâcher mon passe staff des yeux. Donc j'ai tout fait pour toujours avoir une utilité. Et je leur ai envoyé ce message. Ou je leur ai proposé d'être une seconde pof pour l'event. Mais ils ont dit non. Du coup je suis revenu vers Bob. Et je lui ai demandé si je pouvais pas toujours avoir mon passe staff du badass. Sauf que ça a pas pu se faire non plus. Et c'est comme ça que j'ai failli contrôler un event de Fuse. Ou plutôt être sa caméra Minecraft en live. Et du coup je suis allé à la Paris Games Week comme un pauvre. Sans gruger la queue. Et j'étais super loin derrière pour regarder l'event de Fuse aussi. Mais malgré tout, j'avais reçu le planning par mail. Donc quand Fuse parlait des épreuves futures, j'étais là en mode je sais exactement comment va se dérouler l'événement à la minute près. Parce que j'ai reçu le planning par mail. Donc quand les spectateurs se disaient oh mon dieu, mais ça sera quel jeu ensuite? Moi j'étais là en mode alors il y aura Deathrun 17 minutes, Patate Chaude 12 minutes, Bed Wars 17 minutes, puis question pour un cube 12 minutes. Puis à la fin de l'event, j'ai fait une photo avec Fuse que j'ai posté sur Twitter. Et il y a un mec qui a dit, on dirait que c'est toi qui fais une photo avec Fuse ton fan. Donc oui, on va retenir qu'il est fan de moi. Allez, à plus pour de nouvelles anecdotes trop cool!